Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour du AC Odyssey. On est reparti pour l'épisode 7, toujours en mode cauchemar. Donc, on va essayer de trouver le culte de Cosmos, mais avant, il va falloir tuer Elpenor. Et je crois que ça va être la clé de tout. Donc, ça va être compliqué parce que l'endroit était bien gardé. On avait vu ça avant de s'arrêter dans l'épisode 6. Et là, on devait y aller pour justement le défoncer. Donc, on est parti, les gars. Alors, bon, on va descendre probablement par là. Je pense qu'on va prendre cher, voilà. Mais bon, la vie devrait se régénérer. Ils sont trois là-bas. Donc, information sur le lieu, on doit tuer le capitaine. Donc, on ne l'a pas trouvé, lui, encore sur la map. Tuer les gardes du culte. Il y en a sept. Trouver la table ancienne. La tablette ancienne. Et piller les trésors, il y en a deux. Bon, bah, on va s'occuper de ça. C'est parti. Alors, je crois qu'il y avait un coffre là-dedans. Dans l'épisode 6, on avait été fouillé cette tente-là, mais après, on était mort. Ouais, ok, c'est pas terrible. Hein. Ils sont en train de parler, tout va bien. Peu de flèches. Des gens ici. Ben déjà lui, je sais ce qu'on va faire. Coup de pied spartiate, on va l'envoyer balader. Allez mon gars, dégage. Ah, tiens, il m'a vu lui. Comment c'est possible? Ok, amène-toi. Hey. Lui on l'a eu. Bon, finissons. Allons-y, allons-y. Tu as du cran, je reconnais. Tiens, j'arrive même pas à l'avoir. Ok, c'est fait. Personne ne pleurera ta mort. Bon, on en a eu quelques-uns déjà, c'est cool. On va se régène, on va save. Voilà. Hop. On est plutôt pas mal. Et puis ben on reprend. On en a tué 3 sur 7. Ok. Allez, on se le fait.
Ça, c'est déjà cool. Hein. Ok, amène-toi. Ok, 6 sur 7. C'est pas mal. Le capitaine. Ah putain. C'est terminé pour elle. Je pense qu'on va save les gars avant. On est bien parti là. Hop. Putain, elle fait très très mal celle-là. Ouais. Que tu vois quelque chose. Ah, la mort frappera. Ok.
Ok, allez. Ça, c'est déjà pas mal. Et voilà les gars, on a réussi. Là vraiment à la loyale, c'était pas mal. Ça c'est fait. Alors trouver la tablette et encore un coffre. Ok. C'est de le trouver. La tablette, elle est là. Ok. 4 tablettes anciennes, super. Et il doit rester encore un coffre à trouver. Alors où est-ce qu'il est là? Peut-être dans les ruines. On va envoyer Icarus. Alors c'est là-dedans. Pas l'air d'être là. Ok, bah on va aller voir là-bas. On va tuer le Pénor et puis on va voir s'il n'y a pas le coffre qui traîne là-bas. On est parti. Allez, on va tuer cette vipère de Pénor. D'ici la puanteur. Quel dommage. Nous t'aurions rendu riche avant de te tuer. Ok. À le pied après. Allez, ce salopard. Sors de ta taverne. Tank bien. Ça n'a rien de personnel, Mystios. C'est ta mère que nous tenons à retrouver. Merde. Ah, c'est pas possible. Elle nous a mis là. Il ne faudrait pas qu'on me surprenne ici. Oh, je sens d'ici la puanteur de ce malin. Ah, il m'a repéré. Quel dommage. Nous t'aurions rendu riche avant de te tuer. Allez, on l'empoisonne. Ok.
Tu ne peux rien contre ce qui s'annonce. J'aime bien son attaque à la Jet Li là. Mystios, c'est ta mère que nous tenons à refuser. Allez, on va le saigner. T'as plus tes gardes, connard. Tu vas crever là. Abandonne. Le culte obtient toujours ce qu'il veut. Nous avons déjà Deimos. Nous trouverons ta mère et toi, tu mourras. Et voilà, on l'a eu. C'est une erreur de me tuer. L'erreur, c'est de t'avoir écouté, Acephalonia. C'est grâce à moi que tu as pu quitter cette île. Le culte voulait te tuer. Quel culte? Où sont ces gens? Allez, ça y est, cette crevure. Il est enfin mort. Ça fait un de moins. Je n'ai jamais rien vu qui ressemble au petit éclat que j'ai trouvé sur Alpenor. Il pourrait m'être utile. Plastron à écaille. Ok, alors ça, on va pouvoir s'en équiper, les gars. Je pense que c'est pas mal. Donc, parler à Hérodote. Ok, l'oracle a révélé le lieu de réunion secret du mystérieux culte de Cosmos. Et Cassandra a enfin pu lever le voile dont il s'entoure. Ok, le moment était venu de s'infiltrer. D'accord, bah on va y aller. Alors, on a récupéré un nouveau torse. On passe à 100 maintenant en armure, qui est carrément mieux. On prend ça. Ok. D'accord. Très bien. Donc là, il y avait un coffre ici. Lame d'expert, d'accord. Au moins, on a fait tout le lieu. Ça, c'est un minerai de richesse. Obsidienne, pierre précieuse, fer. D'accord. Ouais, je crois qu'on a fait tout. On se barre. Il ne reste plus qu'à retrouver notre ami Hérodote là-bas. Ouais. On y va. Le problème, c'est qu'il va falloir redescendre tout ça. Alors, c'est tout comment on fait pour... Ouais. On y va. On va appeler notre cheval et puis on va y aller là-bas. Voilà. Je crois que c'est par là. Il y a une baston là.
Alors, 80 mètres, ok, on arrive. On va aller lui parler. Par là, lui. Ok, il est juste là. Alors, c'est ici. La salle secrète du culte. Ici, pendant tout ce temps. Je vais entrer. Je peux te laisser mes vêtements ? Mieux vaut aussi laisser tes armes. Je doute qu'il les voit d'un bon œil. Comment tu me trouves ? Terrifiante. Bien. Viens me retrouver quand tu auras découvert la vérité. Tâche de garder ton sang-froid. Ne te laisse pas emporter. M'emporter ? Moi ? Ok, nous y sommes, les gars. Donc là, sans armes, sans rien, ça va être vraiment chaud. Je sais pas trop ce qui nous attend. On peut être plus vraiment, là. Quel imbécile a eu l'idée d'un costume pareil. Oula. Là, il y a du peuple, là. Heureusement qu'ils vont pas me reconnaître. Théoriquement. Tu es très en retard. Heureusement, Deimos n'est pas encore arrivé. Pardon, c'est... ma première fois. Une nouvelle recrue ? Bienvenue, bienvenue. Il y a beaucoup de monde ici. Oui, et tous partagent nos idées. C'est bien. Nous sommes là pour évaluer les actions menées par le culte depuis la dernière réunion. Qui remonte à un certain temps. D'où est-ce qu'ils viennent tous ? De partout, même d'au-delà des mers. Nous formons une communauté. Ici, pas de guerre, pas même de camp. Tu as mentionné un nom, Deimos. Qui est-il ? Oh, tu vas très vite retenir son nom. C'est notre chef. Elle se considère comme telle, mais non, c'est notre arme. Elle n'est pas commode, mais ce qu'elle fait est important. Et je ne l'envie pas, crois-moi. Je vais aller parler aux autres. Merci. Oui, oui, avant l'arrivée de Deimos. Tu risques de ne plus pouvoir après. Ok, bah on va investiguer. On est parti, les gars. Alors, on peut pas courir, par contre. Alors, je crois me souvenir qu'il fallait aller par là. Qu'est-ce qu'on avait de beau là déjà ? Pas grand-chose. Ah, il y a quelque chose à fouiller là. Une correspondance du culte. Par les dieux, ils sont présents dans tout le monde grec. C'est encore plus grave que je l'imaginais. Lettre d'adepte. Il va me falloir plus d'informations pour identifier les membres de ce culte. Ok, on a récupéré ça. Je crois qu'il faut aller aux trois endroits. Ah, peut-être là aussi. Pour l'instant, ce n'est que du sang, mais qui sait ? Deimos réclamera peut-être nos mains. Allez, allez ! Fais ton offrande. Il nous suffit de garder à l'esprit ce que la lignée va accomplir pour nous. La lignée ? La mère, le père, la sœur. Tu sais, les siens. Nous avons besoin d'eux. De tous.
Pour nous aider? Mais Deimos ne doit rien savoir, bien sûr. Tu sais comme il est instable. Il ne ferait qu'une bouchée de nous. Compte sur moi pour garder le silence. Tu feras bien. Il ne doit pas savoir que nous allons bientôt enlever sa mère. Et qu'allez-vous en faire? À ta place, je baisserai la voix. Sache seulement qu'il en sera fait bon usage. Sauf si elle se défend. Tu sais où elle se trouve? Non. Mais on ne tardera pas à l'apprendre, crois-moi. C'est la prochaine cible du culte. Parle-moi de Deimos. Il nous a montré ce que nous devions savoir. C'est une machine, une arme du culte. On ne peut confier à un homme si instable des informations aussi personnelles. Je dois partir. À notre grande ambition. Oui, à l'ambition. Ok. Très chelou là-dedans. Oublie la mère. Je ne suis toujours pas convaincue. Toi, nous avons besoin d'un autre avis. Pourquoi nous disperser pour chercher une femme introuvable? En concentrant nos moyens, nous pouvons prendre Athènes. Il faut s'occuper des menaces immédiates. Il faut abattre Périclès. Pas sans la mer. Nous ne sommes pas assez forts sans la mer. Ne dis pas ça à Deimos. S'il faut traquer quelqu'un, c'est le père. Nous savons déjà qui est la mère. Nous perdrions trop de temps et de ressources à chercher le père. Qu'en dis-tu? Faut-il traquer le père ou la mère du champion? Alors là, aucune idée, on va mettre ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Tu as une meilleure idée? La sœur, Cassandra. Nous la tenons déjà, ou presque. Il faut penser à l'avenir. Non, il faut s'occuper d'elle. Si vous voulez bien m'excuser. Non, voilà, on j'ai va essayer de les mettre sur une fausse piste. Mais tu as tort. Ça peut-être pas plus c'est mal. Le père qu'il faut chercher. Là, c'est là l'entrée, donc on n'a pas été fouillé par là-bas, je crois. On va y aller. Alors, qui c'est celui-là? Ressaisis-toi, Malaka. On dirait un porc qu'on s'apprête à abattre. Je vais le faire, je le jure. Je vais le tuer. Laisse-moi! Ça te plaît de regarder, petite ordure? Tu vas faire plus que regarder. Tu vas donner une bonne leçon à cet avorton insolent. Il le mérite? Qu'est-ce que ça peut faire? Obéis, c'est tout. Sans poser de questions. Je n'ai pas pu. Mais je n'ai pas peur. Plus maintenant. Tu ne réussis pas à tuer un artiste. Comment feras-tu pour exécuter un archonte? Je vais le faire. Je vais tuer Phidias. Je... Allez, montre-leur ce qu'on fait aux lâches. On les brûle. Allez, bah de toute façon, je pense que dans le culte, hein, c'est tous des corrompus là-dedans. On va les tuer tous, donc... Donne-moi ça. Non! Non! Ah! On va le brûler au fer rouge, là. Encore? Non! J'irai à Athènes! Je surveillerai le temple! Je le tuerai! Bien. Et ne t'avise plus de me faire perdre mon temps! C'est étrange. Une autre erreur de ce genre. Je ressens quelque chose. Maintenant, la direction de la fiche pyramide le camp d'ici si tu ne peux pas recevoir le sang de cette traîtresse. Toi, on a vu quelqu'un entrer chez toi. On a trouvé des gardes morts à l'extérieur. Ok, on doit aller chercher. Dis-moi à qui tu as parlé. 40 mètres, placer le fragment sur l'artefact. Ok, et eh ben on y va. Tiens, lui, il a une épée sur lui. Tout le monde a des armes là-dedans, hein, quasiment.
qui va se passer là. Ah, tu avais le dernier fragment. Maintenant, tout est prêt. Chaque fois que je le vois, il m'appelle et chante. Il exprime son pouvoir. Dis-moi, est-ce qu'il t'appelle, toi aussi? Oui. C'est impressionnant. C'est bien. Fais preuve de respect. Nous avons tout désormais. Hera m'a béni. Mon grand guerrier mène notre armée à la victoire. Peux-tu seulement imaginer ma fierté? Notre champion écrasera nos ennemis avant même qu'ils ne pensent à se rendre. Tu peux me croire. Elpenor est mort. L'un de vous est un traître. L'artefact nous donnera son nom. Toi ! Hein ? Chacun d'entre vous passera l'épreuve. Et tu es le premier. Va. Va. Toi. C'est notre perso, ça, je crois. On voit son passé.
Ah, tu es en vie. On va dire... Ils me connaissent. Et ma famille. Ils veulent tuer ma mère. Je vois. C'est pire que ce que je croyais. Ce n'est pas tout. Ils ont une arme. De quelle sorte? Un soldat. Plus fort et plus féroce que tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Hérodote. C'est mon frère. Nous devons aller à Athènes. Athènes ? Nous devons plutôt trouver ma mère. Mes vêtements. Ma lance. Bien sûr. Ma lance ! Le culte de Cosmos appelle mon frère Deimos. Il s'est servi d'un artefact pour lire mes souvenirs. Cassandra, l'homme que je sers, il faut lui dire ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. Tu as déjà entendu le nom de Périclès ? Périclès est le général qui dirige la Ligue de Délos contre Sparte. On dit qu'il est impitoyable. Nous ne menons la Ligue contre personne. Périclès est un homme de paix. Cette guerre lui a été imposée. Comme à nous tous. Un général qui s'opposerait à la guerre? C'est étrange. Chasse tes doutes. Il s'efforce d'arrêter cette guerre. Comme nous tous. Si des forces se sont alliées contre lui, il faut le prévenir. Pardon. Athènes ? Le culte traque ma famille, ma mère. Il faut que je la retrouve. Tu as la lame de Léonidas. Sois à la hauteur. Si Périclès ne met pas fin à cette guerre, c'en est fini de nous tous, y compris ta mère. Assez avec ta guerre ! Le culte veut exterminer ma famille. Tu as un devoir envers le monde grec, tout comme moi. Il faut prévenir Périclès. C'est ma mère. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? S'il y a un endroit où nous pourrons trouver des informations sur ta mère, c'est à Athènes. Pourquoi? Périclès s'entoure des esprits les plus brillants d'Athènes, et donc du monde. À Athènes, tu pourras remplir ton devoir envers ta famille. Mais avant de partir, viens me retrouver auprès du lion de Léonidas au Thermopyle. Léonidas ? Pourquoi ? Il faut que je vérifie quelque chose. Une chose qui pourrait nous aider à abattre ce culte et à sauver ta mère. Hérodote, tu m'as prouvé que tu étais digne de confiance, mais faisons vite. Les Thermopyles... Et ensuite, Athènes. Je vais faire en sorte que chacun de ces adeptes meure de ma main. Ok, donc ça y est, on a le nouvel onglet, culte de Cosmos. Donc c'est une société secrète regroupant des gens de pouvoir qui cherchent à contrôler le monde, rechercher des indices à travers le monde grec pour dévoiler l'identité de tous les membres du culte. Du culte est annulé, dit définitivement. Ok. Alors on va ouvrir pour voir. Depuis le menu des adeptes, utilisez les nouveaux indices pour dévoiler les adeptes, les marquer et éliminer le culte de Cosmos. Ok. Alors on a eu ce chien d'Elpenor, vous voyez. On l'a vaincu. Donc il y en a peut-être une petite cinquantaine à tuer. Et là, plus on va ici dans le cercle, plus ils sont forts. Ça, ça va de soi.
lui aussi Hall l'a vaincu. Epictetus, le prolixe. D'accord. Je crois que c'était un mercenaire, ce gars-là. Ça me semble. Donc on pourra les traquer, hein, bien sûr. Ok. Alors, on a un point d'aptitude. On est passé level 13. On va en profiter pour remettre un petit point quelque part. Augmentation de l'armure de 60% et réduction des dégâts à distance subis de 5%. C'est pas mal ça, mais... on pourrait peut-être faire autre chose. Attaque incendiaire, ça c'est bien aussi. Le soin, on peut pas. Alors, flèche incapacitante, ça serait bien, parce qu'après, on pourrait maîtriser, par exemple, les loups, tout ça, pour qu'ils combattent avec nous. Loup, léopard, lion ou lynx. Hein. Et un seul animal peut être apprivoisé à la fois. Ouais, ça pourrait être sympa, ça. Ok, on se prend ça. Comme ça, on peut assommer maintenant. Donc on va aller voir le carquois. Donc fabriquer au max. Voilà. Ah sinon comment que ça marche pour changer les flèches? Comment on fait ça pour changer? Aucune idée. Ok, bon, on verra bien. J'essaierai de trouver la touche. Alors, 180 mètres, il y a quelque chose. Il y a une quête à faire. On pourrait y aller avant de se barrer d'ici. Dans un lieu interdit là. Il y a quelque chose en haut, on va aller voir ça. Tanière de loup. Ok. Quelque chose là-bas. Pendant qu'on y est, on va y aller. C'est une mauvaise idée pour l'homme de vénérer Tityos.
Il a suscité la colère de Zeus et des autres dieux. On va voir ça plus tard. Là, il y a des ours là-bas. On les a. Allez. On va attaquer, hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on doit faire là? Au Thermopyle, d'accord, bah on va y aller. Donc la carte. Alors c'est là-bas qu'on doit aller. Très bien. Avance. Ah bah c'est parti les gars. On va au Thermopyle. Yeah. Léonidas est tombé sur le champ de bataille. Hey. Par la forêt. Ah, c'est très joli là. Putain, beau paysage. Terre sauvage du Nord. Ok. Allez, bah on y va. Pas mort. Ok, je vise comme un pot. J'aime pour ça. Les Thermopyles. On dit qu'on ne peut pas venir ici sans avoir du sang sur les orteils. Allez, on est arrivé. En fermant les yeux, on peut les entendre. Les derniers cris de guerre avant la mort de chacun de ces courageux Spartiates. Leurs voix se sont tues ce jour-là, mais leur histoire demeurera éternelle.
Tu ne m'as pas fait venir ici pour parler de Spartiates morts. Alors pourquoi, Hérodote ? La bataille des Thermopyles résonne encore dans nos cœurs. Mais en venant ici, on peut la sentir en nous. Il n'y a que des fantômes. Moi, je m'intéresse aux vivants. Tends-moi ta lance. Ma lance ? Pourquoi ? Pour vérifier quelque chose. Hérodote. Je vais bien. Les récits disent vrai. C'est bien la lance de Léonidas. La lame du héros. Où étaient les alliés de Sparte ? Les Spartiates n'étaient pas les seuls Grecs à s'opposer aux hordes de Xerxès. Beaucoup d'hommes étaient venus en armes. Prêt à combattre aux côtés de Léonidas et de ses 300. Mais quand le grand roi a vu la peur dans leurs regards, il les a renvoyés. Ça ressemble plus à de la folie qu'à du courage. La Pythie avait prédit que Sparte perdrait sa liberté ou son roi face aux Perses. Léonidas a fait son choix. Qu'est-il arrivé à Léonidas après la bataille ? Xerxès était renommé pour sa clémence envers ceux qui avaient affronté vaillamment les Perses. Mais Léonidas l'avait rendu si furieux qu'il ordonna qu'on lui tranche la tête et qu'on l'empale. Il s'ensuivit un combat sanglant. Et sa dépouille fut reprise par les Spartiates et inhumée ici. Mais aujourd'hui, il repose chez lui. À Sparte. Qu'est-il arrivé à Éphialtès, le traître ? Xerxès l'a récompensé, mais la traîtrise appelle la traîtrise. Sa tête a été mise à prix et il est mort comme il avait vécu, en lâche. Tu savais ce qui se produirait ? Je l'ignorais, mais je le soupçonnais. Il est un lieu dont j'ai toujours mis en doute l'existence, jusqu'à maintenant. C'est un monument singulier sur l'île d'Andros, de mystérieuses formes taillées dans la pierre. Différente de tout ce que j'ai vu. Tu veux aller à Andros pour me montrer des formes ? Au cours de mes voyages,
J'ai entendu parler d'une ancienne civilisation, un peuple qui était là, avant. Ta lance et cet endroit sont liés. Tu as parlé d'un peuple qui était là avant. Qui étaient ces gens ? Ce n'étaient pas des dieux. Mais ils vivaient plus vieux que les mortels et étaient bien plus intelligents. J'ai vu des gravures dans des grottes, d'étranges symboles laissant imaginer que cette civilisation avait créé les hommes et leur avait donné le feu. Mais Zeus l'a reproché à Prométhée. Oui, mais peut-être son aigle dévore-t-il toujours le mauvais foie. La lance s'est éveillée dans ta main, Hérodote. Je te fais confiance. Comprends bien. Je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta mère. Sois-en sûr. Mais nous devons d'abord faire voile vers Andros. Je te retrouve à mon bateau. Ok, alors très belle cinématique avec Léonidas, c'est la fin tragique. C'est un peu dommage de voir ça. Bienvenue à bord de l'Adrestia. Bon, ben, on est parti les gars, on y va là-bas. Tu vas voyager avec nous ? Donc 7 km à faire. Non seulement. J'ai une affaire. Est-ce qu'il y avait des trucs à débloquer avant ? Alors on a des points de TP ici, au pire on pourra revenir là, c'est pas trop un problème, on en avait encore un autre à débloquer. On fera ça plus tard les gars. Donc bah direction Andros. Alors c'est où ça? Andros ça, c'est là qu'on doit aller. Donc c'est très très loin. Hérodote m'aide à retrouver ma mère. Eh bien, on est parti. Recherchez l'aide des dieux à placer Hérodote sur ton chemin, comme ils t'ont placé sur le mien. Leur dessein dépasse notre compréhension. Et nous n'avons d'autre choix que de suivre. Tu as peut-être raison. Et Hérodote et moi avons des ennemis communs. Comme El Pénor ? Il fait. Faisait. Partie d'une société très puissante, le culte de Cosmos. Celui-ci dirige le monde grec par l'intermédiaire de l'oracle. C'est impossible de contrôler l'oracle. Apollon ne le tolérerait pas. Ces serpents recherchent ma mère. Et je dois la trouver. Je pense qu'ils s'en prendront aussi à d'autres personnes qui s'opposent à eux. Par Hermès, l'office de l'oracle corrompu est maintenant à clou. Est-ce que l'on sait qui est à sa tête? Je n'en suis pas certaine, mais... ça pourrait être mon frère. Mon frère ? Par Zeus, tu as une vie compliquée. Tu n'as pas idée. Pas d'inquiétude. Ce culte de Cosmos a désormais 3 ennemis, dont une qui se bat comme Athéna et manie la foudre comme Zeus. Nous allons faire fondre sur ces malfaisants la colère des dieux. Il est toujours aussi optimiste. Toujours. C'est ce que j'aime, ce dieu. Posez donc ! Mène-nous à Athènes ! Il faut d'abord aller là. Va pour Andros ! Allez, on les attaque. C'est un bateau pirate. Si nous voulons partir en guerre, il va falloir apporter des améliorations à mon avis. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, il est vieux. Et son état laisse à désirer. Tu n'aurais pas pu le dire avant qu'on prenne la mer ? Dis donc, où est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut ? Mon père m'a appris que la mer était cupide. Et nous allons devoir l'être tout autant. Par chance, allez, les navires de pirates sont nombreux par ici. On va les aborder et se servir. Ah!
Ça, c'est fait. Alors, allons-y! Partons à la chasse aux pirates! On prend les coffres. Et voilà. Très bel baston là. Bon. En avant. Donc c'est quel côté, c'est là-bas. On est parti les gars. Allez. Côte spartiate qu'elle a. Les rameurs ont besoin de récupérer. Il y a beaucoup de pirates là dans le secteur. On ne peut pas maintenir cette vitesse. Alors tiens, en parlant de ça là, on pourrait peut-être améliorer le bateau. Ça, on pourrait l'améliorer. Ouais, comme ça enflammer les flèches, ça ferait plus de dégâts, pourquoi pas. On va s'en faire un petit bras zéro. Après il va me manquer du bois. Ok, donc il faudra du bois après. Sortez les rames. Bon, en tout cas on a les bras zéro maintenant. Alors l'amélioration de brasier a débloqué de puissantes attaques incendiaires pour votre navire. Les attaques ordinaires permettent d'accumuler du potentiel incendiaire. Vous utiliserez pour effectuer des attaques incendiaires à l'aide de flèches enflammées. D'accord. Donc faut appuyer sur R en même temps. Et des javelots enflammés également. Ok, très bien. Allez. Les rameurs ne peuvent pas tenir ce rythme. Plus de vitesse. Allons-y. Accrochez-vous, allez! Nous sommes à pleine vitesse! Sortez-moi ces robes! Elles sont trop nombreuses, il y a trois pirates. Les rameurs doivent pas prendre leur souffle! Allez, préparez les rames. On ne peut pas aller plus vite. Ok, on est bon. Commencez à ramer. Nous nous sommes bien battus, mais d'autres combats nous attendent. En avant. La belle marathon. La bataille au cours de laquelle les premiers Athéniens a repoussé la première invasion perse. Grand Thémistocle, le roi Darius de Perse. Je ne suis pas sûre de... L'endroit où le grand Thésée a tué le redoutable taureau crétois. Oh, ce marathon. Vous êtes des esprits. Vitesse de Rome. On les attaque. Lancez vos flèches. Yes, on a réussi les gars.
N'étais pas inquiet. Il n'aurait pas pu couler la bestia. Malaka! Ils vont nous épauler! Entrez les robes! On se barre. On a repéré des débris à la surface. Préparez vos armes! Par les courses de vos ailes, c'est comme ça que vous faites! Montez la vitesse! J'ai gardez cette vitesse! Les flèches enflammées! Capitaine! Laissez son rameur le temps de se reposer! Alors, il y a plein de petites îles. Bon, bah, on découvrira ça après, hein. Bien sûr, on fait l'histoire principale pour l'instant. Préparez vos avirons! Cassandra, il y a une question que je me pose. Vas-y. Ta lance, d'où l'as-tu? Capitaine! Ma mère m'a dit que l'armée spartiate l'avait rapportée de la bataille de Thermopylae. Pourquoi la lui a-t-on remise? Léonidas était son père. Incroyable! Et elle t'offre des visions. Peut-être essaie-t-elle de te guider, de te montrer une voie. Ce n'est pas tout. Elle m'aide. Que veux-tu dire? C'est difficile à décrire. Comme si je connaissais le prochain coup de mon adversaire. Juste avant qu'il le porte. Fascinant. Vraiment extraordinaire. Allez, on arrive sur Andros. De l'île d'Andros. Oui, nous pourrons y voir le tombeau du plus grand Myrmidon, Achille. Andros produit surtout l'un des marbres les plus précieux au monde. Cela m'intéresse davantage. C'est là que seraient les ruines de l'ancienne civilisation dont on t'a parlé? C'est bien là. On va essayer de s'amarrer. Cherche un peu. Ah, Icaros, hein. Donc, qu'est-ce qu'il a vu lui? C'est ça, oui. Ok, très bien, bah on y va. Terre de pillage. Là, il y a un ours. Derrière, en plus. Culé. Bon, on va se diriger directement à la porte là-bas. C'est une porte? Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Comment faire pour y entrer? Je me demande si... Qui est là? Montre-toi! L'hésitation conduit toujours à... À la tombe, je sais, mère. Ta forme s'améliore et tu es résolue, mais tu ne passes pas à l'action. J'allais le faire. Je sais, mais certains instants sont plus importants que d'autres. À toi. La lance de Léonidas. Tu es assez grande. La lance de mon père représente un certain fardeau, mais tu es prête. Je l'ai senti. Ah ? Cette lance,
Elle est magique. Elle possède un pouvoir ancien, issu d'une lignée d'incroyables héros, dont le sang coule dans les veines de notre famille. En nous tous ? Pense à Léonidas. Il a été très courageux et a accepté un grand sacrifice. Tu partages son sang et la force qu'il possédait. Nous sommes capables de ressentir certaines choses autour de nous. C'est le don de notre famille. Mais tout le monde ne le comprend pas. Certains sont conscients de notre pouvoir et veulent s'en emparer. Ils essaieront de nous le prendre. Je les en empêcherai. Je le sais. Tu es une guerrière. Si nous continuons à aller de l'avant, toujours plus loin, nous serons intouchables. Un orage approche. Alors, mère, nous devons aller de l'avant. Mère, je ne t'ai pas oubliée. Dieu, qui a bâti tout ça? Ok, bah on va explorer la grotte. Comment un endroit pareil peut-il exister? Comment pourrais-je décrire ça à quelqu'un comme Marcos? Quelque chose brille là-bas. Forge activée. Synchronisation de la chronicité de retransmission. Contact en place. Deimos. La forge. Je savais que je t'avais laissé trop longtemps dans l'animus. Tes signes vitaux ont une sale tête. Tu ne comprends pas. Ça confirme qu'au-delà de détenir une technologie issue, Cassandra avait les moyens de l'améliorer. Imagine la puissance que pourrait avoir ce bâton. Je reconnais que c'est peut-être une découverte majeure. Mais pour l'instant, en tant que médecin, je dois m'occuper de toi. Repose-toi un peu, avant de retourner voir Cassandra. Le repos, c'est plus tard. Les équipes d'Abstergo sont peut-être en train de nous chercher. Et il y a des gens pour s'occuper d'eux. Si tu craques là-dedans, la mission s'arrêtera. On m'avait bien dit que t'étais gentille avec tes patients. N'oublie pas qu'on est une équipe. On te soutiendra jusqu'à la fin de ton enquête. Je sais. Kiyoshi a sécurisé le loft hier et il garde un œil à l'extérieur. Alana fait des recherches historiques. Et moi, je suis là si tu veux parler ou si tu as le mal de l'animus. Thérapeute avant tout. Je vais aller me dégourdir les jambes. Dommage qu'on ait plus accès à la salle de gym d'Abstergo. L'abonnement coûte trop cher. Fascinant. Leila, quand je pense qu'on a fait la connaissance du grand Hérodote. Je sais. Il a la langue bien pendue. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Bon, j'ai rencontré Hérodote, mais je ne sais pas grand-chose sur lui. Il est trop fort. Ses histoires sont considérées comme le plus grand texte de la Grèce classique. Des gens ont bâti toute leur carrière sur l'analyse contradictoire de son œuvre.
Mais le voir dans son univers, se promener dans la cité... Désolée, mais c'est un peu aéro pour moi. T'as le droit d'être une fan. Ouais! Je te laisse à ton travail. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Tu es sûre de vouloir retourner tout de suite dans l'Animus? J'ai l'impression que tu vas y rester un bon moment. Oui, je suis prête à retrouver Cassandra. Très bien. Je surveille tes arrières. Allez, c'est reparti, les gars. On se replonge dans l'histoire. Ma lance a davantage de force. Le culte n'a aucune chance. Ok, on a eu la lance améliorée. Donc améliorer la lance de Léonidas ici à la forge d'Héphaïstos à l'aide de fragments d'artefacts. Son amélioration augmente votre adrénaline et débloque des aptitudes plus puissantes. Récupérer des fragments d'artefacts sur des membres vaincus du culte de Cosmos. Consultez le menu de quête pour suivre la progression vers d'autres améliorations de la lance. D'accord. Alors, point d'aptitude, on n'a pas. Et membre du culte. En mégariste, d'accord. Midas, le banquier, et Argos. Ouais, on a quelques petits... Comment dire ? Petits détails sur eux. Armure légendaire. Alors dévoilé par exemple. Les esclaves comprennent mieux les règles quand on les entaille sur leur nuque. Donc c'est le centaure de B celui-là. Que vaut une vie sans un millier d'autres derrière elle? D'accord. Cosmos exige de connaître les secrets cachés dans le cœur des hommes. Alors, je les ouvre. Ok, on essaiera de se faire ça. Donc, je pense dans un prochain épisode. Là, pour l'instant, on va suivre encore la quête principale. On fera ça dans le prochain épisode. Alors, on doit se barrer, normalement. Voilà qui va plaire à Hérodote. Quelqu'un a clairement séjourné ici bien avant nous. Ok, je peux rien faire. Je me demande si Léonidas connaissait cet endroit. Faut qu'on parle. Ouais, son petit frère. Il nous a retrouvés. Tu es facile à trouver. Tu m'as suivi. Tout va bien? Alexios, tu es vivant? Ne me touche pas. Allons, petit frère. Tu vas devoir tout me raconter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai absolument rien à te dire. Je ne te connais pas. Mais moi, je te connais. Peu importe, après tout. On doit discuter de choses plus importantes.
Oui, bien sûr. Comme de ce que tu as fait avec l'artefact. Ça a attiré mon attention, si c'est ce que tu voulais. Quoi ? L'artefact a montré la vérité. Nous sommes frères et sœurs, et nous avons quitté Sparte en vie. Il m'a montré la vérité, oui. Il a confirmé ce que j'ai toujours su. Tu m'as jeté de cette montagne ! Tu crois que c'est aussi simple que ça ? Allons, Alexios, nous avons tant de choses à nous dire. Arrête de m'appeler comme ça. Je sais déjà ce qui s'est passé cette nuit-là. D'accord, Deimos. Mais lui, je ne le connais pas. C'est un demi-dieu. Vénéré et craint par le culte, et par tout le monde grec. Dans ce cas, pourquoi obéir au culte ? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, c'est moi qui le dirige. Alors prends une décision par toi-même. Retrouvons notre mère. Je ne veux pas de retrouvailles. Je veux seulement savoir ce que tu cherches à faire. La même chose que ton culte. Retrouver Myrine, notre mère. Il n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas la vie de tes amis. Elle est leur prochaine cible. S'ils la cherchent vraiment, c'est pour la tuer. Mais si tu ignores où elle est, ça veut dire qu'elle t'a abandonné, toi aussi. Quelle tristesse. Alors qu'il la laisse tranquille. Qu'il s'occupe de moi, plutôt. Tu aimes attirer l'attention. Ne t'en fais pas, il sera bientôt sur ta piste. Et il aura raison de ta volonté. Dans ce cas, il a du souci à se faire. J'en doute fort. Il va exterminer la famille. Si le culte nous cherche tous, une de ses cibles a disparu. J'ai tué Nikolaos. Alors oublie tes airs de justicière. En réalité, tu es comme moi. Je me moque de ce que tu penses, et je trouverai Myrine. Fais le bon choix. Viens avec moi. Quoi ? Nous pourrions la trouver ensemble. Tu pourrais m'aider. Oh, tu penses que l'amitié résout tout. Qu'on devrait chercher notre mère, comme des enfants perdus. Tu es trop faible. Faible ? Sache que je tue depuis bien plus longtemps que toi. Oh ! Comme j'ai peur ! Moi, j'ai toute une armée derrière moi. Au moindre geste, tu seras éliminé. C'est ça, notre plan. Enlever ta propre mère ne lui suffit pas ? Ce n'est pas un enlèvement. C'est de la politique. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et ils paient pour cette erreur. Comme moi. Comme toi. J'ai appris que tu comptais te rendre à Athènes. Annonce à Périclès et aux siens que leur fin approche. Le culte a épargné Myrine, et même Nikolaos. Pourquoi les tuer maintenant ? Parce que tu es en vie. Tout ça est ta faute. Le culte est puissant, mais ses membres sont mortels. Je détiens le sang des dieux. Alors ils pensent que toi aussi. Mais il va comprendre qu'il a tort. Tu sais que je vais m'attaquer au culte. Tu sais, toi, combien nous sommes puissants. Ce que je peux faire. Crois-tu vraiment avoir la moindre chance ? D'après toi. Le courage est un trait de famille, pas vrai ? Tu prétends que nous sommes du même sang. Voyons ce que tu sais faire. On s'est quand même retrouvés, mon frère. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Deimos ! Oh, Malaka ! Hérodote ne va jamais le croire. Il faut que je lui dise ce qui s'est passé. Ok, alors, retrouvailles difficiles avec notre frère. On aurait pu le combattre, hein. J'avais peut-être regretté ça. C'est un choix qu'on aurait peut-être pu faire. Ah, la terre des ours encore là. Allez, on retourne sur le bateau. On n'a plus rien à faire là. Pour le moment en tout cas. Et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, les gars.
Donc cet épisode a été très sympa. On a eu pas mal de choses ensemble. On sait déjà plus sur le culte du cosmos. Alors, la légende était vraie? Était-ce magnifique? Que t'est-il arrivé? Et ta lance? Tout doux, Hérodote. Ma lance est plus forte. Je peux le sentir. Tu avais raison. Il y avait un artefact, là-bas. Il m'a présenté une vision. De moi et de ma mère. Alors, cette civilisation a existé. Cassandra, tu n'as aucune idée du pouvoir que tu détiens, enfoui dans la lance de Léonidas. Mais ce n'est pas tout. Déimos m'a suivi là-bas. Le culte est en action, il me l'a dit. Il va s'en prendre à nous. Ma famille, Périclès... Pourquoi te l'annoncer? C'est sûrement un piège. Aucune importance. Nous devons aller à Athènes et avertir Périclès. Et nous devons retrouver ma mère avant le culte. Alors, allons à l'Apnix. Nous serons certains d'y trouver Périclès. Ok, donc on a terminé cette quête en tout cas. Et... Préparez-vous à naviguer! Nous revoilà! Où allons-nous? Alors justement, on va regarder ça. Donc améliorer la lance. Donc on est à 1 sur 3, d'accord? On verra ça après. Rejoindre l'Attique. Ça c'est les brigands, on s'en fout. Ok, là je pense qu'on va se faire ça. Donc on est parti. Les eaux sont dangereuses près de Chaos. C'est quel niveau ça normalement là-bas? Attendez, je regarde vite fait. Entre 15 et 19, ouais, on est que level 13. Ça risque d'être compliqué, mais bon, on va y aller. Il y a deux niveaux de. Mais non, des pirates! Des nuées de pirates! Et c'est tout! Pire, on va débloquer le TP en haut, là, j'ai l'impression qu'il y a une statue là-bas. Quand tu seras prête, retrouve-moi à l'Apnix à Athènes. Ok. Ah, je pense que c'est un point de TP là-bas. On y va, allez, les gars, sur la statue là-bas. TP ça ou pas du tout? Statue de Zeus. Non, ça a pas l'air d'être un point de TP malheureusement. Alors je regarde vite fait.
se synchroniser au lieu requis. Car la statue d'Athéna, la crocorinthe, l'oiseau en armure et le surplomb du mont Taygetos, d'accord. Alors, on va commencer par ça. Bon, je vois qu'elle est buggée là-bas. Super. Allez, on a découvert Athènes. Athènes. Voyons ce que cette cité me réserve. Vas-y. Il y a un point de TP justement là. On va peut-être se le prendre quand même avant. C'est ici. Allez. Eh ben, on y va. Vous gênez le passage. On a une quête là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, histoire suggérée, tel un accident. D'accord. Doit épouser Sados, un jeune homme arrogant et de haut rang, choisi par son père. Cependant, elle ne veut pas. Désespérée, elle vous supplie de lui venir en aide. Action, romance, dialogue. D'accord, donc c'est une quête personnalisée, ça, j'ai l'impression. A été fait en ligne. On verra ça après. Je savais pas que c'était possible. Donc c'est très grand hein, dans Athènes là, putain. Plein de choses. Alors on a le dirigeant d'Athènes qui est juste là. Vous voyez la statue grise sur le radar. Il ne doit pas être si loin que ça. Il doit être dans ses murs. Allez, on y va. Les Spartiates sont peut-être devant nos murs, mais nous devons demeurer unis pour la gloire d'Athènes. Pour ta gloire. Mes amis, je vous en prie. Ce n'est pas parce que les Spartiates sont devant nos murs que nous devons nous comporter comme eux. Belle récolte. Dommage que les Spartiates l'aient consumé sur pied. Le Parthénon est splendide, Périclès, mais à quel prix? Combien de trirèmes aurait-on pu construire à la place? Nous ne devons pas nous diviser. Nous sommes divisés, et Sparte en profite. Agis, Périclès, ou je le ferai. Ah, bien. Te voilà. C'est pire que je ne l'imaginais. Cléon à la foule avec lui.
Nous devons partir, vite. Où ça? Voir Périclès. Ok, donc les gars, on va se laisser là. On aura vu Athènes. Et on doit parler à Périclès, hein, justement, là-bas. Donc bah, j'espère que vous aurez aimé ce petit épisode. On a fait pas mal de choses. Le culte de Cosmos a enfin été découvert. On a rencontré notre frère, Alexios. Pas mal de choses qui s'est passé. On a tué ce chien d'Elpenor. Donc c'est déjà pas mal. Allez, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce Let's Play. Merci à vous tous de m'avoir suivi et à bientôt.